Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur Call of Duty World War 2 sur la nouvelle map The Darkest Shore. Donc un tuto qui consiste à accéder à la salle secrète de l'arène en fait, l'arène spéciale de boss de ce secret quoi, de cette map. Alors pour ce faire, il vous faudra le faire en début de manche car en début de manche vous avez des bombers qui apparaissent dans les tunnels où il y a les chariots qui passent. Donc il va bien sûr falloir choisir un chemin bien spécifique. Le chemin, c'est du bunker à la plage. Donc la plage, c'est le côté rouge que vous pouvez voir ici. Le côté rouge, c'est la plage. Donc vous le mettez à droite. Et en bas, c'est le côté vert pour le bunker. Donc plage, bunker, bunker, plage. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais tuer le zombie. Et faites-le toujours au début de la manche, mais continuez à le refaire en pleine manche. C'est possible qu'il y ait d'autres bombers qui réapparaissent. Parce qu'en fait, il va falloir faire exploser un bombers à côté d'une porte qui est à moitié détruite en fait. C'est un mur comme ça qui est à moitié détruite. Et ça vous donnera en fait accès à la salle secrète, donc à la salle du boss, l'arène du boss. Donc là, j'y vais directement. Je vais prendre mes candles parce que comme ça, je fais tout exploser. Voilà. Et là, normalement, voilà, il y a des bombers. Donc, on le fait exploser, on fait exploser. Là, il y a un bombers, regarde. Parfait. Juste devant la porte. En fait, je viens de détruire la porte, là. C'était super simple, il n'y a rien de plus compliqué. Il faut juste avoir la chance qu'il y ait un bombers qui soit devant, à ce moment-là. Mais de toute façon, regardez, je vais reprendre le chemin. C'est possible qu'il y ait d'autres bombers qui réapparaissent. Mais bon, franchement, pour cette étape-là, moi, je vous conseille les Kendall. Hein. Le M1911, donc l'œuf et bacon amélioré. Donc, le M1911 amélioré qui devient le œuf et bacon. Voilà, tout simplement. Alors, voilà, là, je reprends le même chemin, mais j'ai déjà mis le truc vers le bunker. Hein. J'ai oublié de vous le montrer, mais la manivelle, elle est vers le bunker. Donc là, regardez, ça a dit, vous voyez, ça a ouvert le passage juste ici. Maintenant, j'ai juste à appuyer sur carré et hop, je me retrouve dans la salle du boss, tout simplement. Alors dans cette salle du boss, pour l'instant, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Mais voilà, je pense que ça va bientôt être découvert. Même, je pense que c'est déjà découvert à un moment où je vous parle. Donc ça ne va pas trop tarder, je ne vais pas trop tarder pour vous présenter ce tuto. Là, je voulais juste vous montrer ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui bug ici. Sur ce chariot, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous montrer comment il fallait faire. Alors... pour sortir de là, ben, il suffit juste d'aller vers l'eau, d'appuyer sur carré et regardez, vous allez diriger vers le spawn. Vous sortez d'une petite faille qui se trouve juste là. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager un maximum pour m'aider à évoluer sur YouTube. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace. Dumb, 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 dumb